Nous espérons que vous en forme par la grâce de Dieu, non pas ses frères Joab, nous pouvons vous un jeu biblique qui fait chaque samedi après-midi. Comment le jeu a fonctionné? Nous poser 10 questions. Chaque question nous poser pour pause vidéo ou répondre. Vous répondre toutes les 10 questions yo, et puis après, vous faites somnant, vous regardez combien de points ou même vous faites. Nous espérons que vous participez ensemble avec nous. C'est une façon pour nous apprendre Bible plus pour nous étudier la parole de Dieu. D'abord, si vous aimez l'activité, mettez un like. Si vous pouvez inscrire dans le canal, là, inscrit. Et puis, partagez le jeu pour plus de monde capable de jouer ensemble avec nous. Nous partons pour première question. 10 points. Combien de livres Nouveau Testament gagnent? 39 livres, B 40 livres, C 66 livres, D 27 livres. Combien de livres Nouveau Testament gagnent? 10 points. Jouette pour vous. Fini, réponse lancée. Combien de livres Nouveau Testament gagné? C'est des 27 livres Nouveau Testament gagné. Ça, c'est recherche nous fait personnellement. Nous connaissons Bible, il y a 66 livres là-dedans. Nous avons étudié ça. Si vous avez besoin de plus d'informations sous question ça, sous channel là, vous avez joué une vidéo qui parlait de ça, de la Bible. Nous avons avancé avec deuxième question. Deuxième question. 10 points toujours. Qui prophète dans la Bible là, il était lagué dans yon force lion? A. Samuel, B. Jean, C. Élie, D. Daniel. Qui est-ce dans monsieur ça yo, il était lagué dans yon force lion? 10 points. Jouette pour. Fini, réponse lancée, petit D. Daniel, c'est lui-même qui était lagué dans une fonction. Référence Daniel 6, verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Alors, nous connaissons l'histoire Daniel là déjà. Daniel était en Babylone, Daniel était fidèle à la voix de Dieu, yo te lagué Daniel nan yon fos lion et bon Dieu te délivré Daniel. Je dis à bon Dieu qu'a fait ça pour tout, mais li mandé pour capable fidèle à la parole de Dieu. N'a pas avancé avec Dieu, a pas oublié. Chaque question nous poser ou pose vidéo à ou répondre, après ça dis-nous nos commentaires combien points ou fait, répondre dans commentaires, participer ensemble avec nous. N'a avancé avec une autre question, troisième question. Troisième question, toujours 10 points. Combien petit garçon Bible a dit Noé te gagné? A 3, B 4, C 10, D yon. Combien petit garçon la Bible dit nous que Noé te gagné? 10 points, jouette pour. Allez, réfléchis. Fini, combien petit garçon la Bible dit Noé était gagné? Réponse à ces petits. Ah, trois petits garçons, c'est trois petits garçons Noé était gagné. Référence Genèse 6, verset 10, il dit: Noé engendra trois fils, Sem, Can et Japhet. Alors, nous connaissons Noé, c'était serviteur de Dieu, c'était monde qui était obéissant à la voix de Dieu et bon Dieu était protégé Noé. C'est ça que fait jeudi à moi ensemble avec vous. Nous existons, nous c'est descendants Noé. N'a pas avancé toujours 10 points avec quatrième question. Hein? Nous espérons jouer ensemble avec nous. D'après Apocalypse, combien de temps Satan pourra le faire pris en prison les Jésus retourner? A 500 années, B 200, C 10 000, D 1000 années. Combien de temps Satan va le faire emprisonner? Jouette pour. Temps fini, combien de temps Satan va le faire enchaîner? C'est petit
de Satan pour faire 1000 ans, référence à Apocalypse 20, verset 1er, revient dans verset 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Satan pour le faire 1000 ans fermé, on côté prisonnier, pendant nous-mêmes n'a pawasé dans le ciel avec Jésus, n'a contemplé toute belle bagaille, n'a regardé, nous pral gain pour nous fêter, faire un gens pour participer dans fête ça, pour pas même côté avec Satan, même les Satan pour le pour compte lui. Ali Apocalypse, soit comprendre. N'a avancé avec une autre question, cinquième question, toujours 10 points, c'est qui sa bon Dieu te bay Eve comme punition après désobéissance? Premier petit A, tête fait mal, B, douleur dans ventre, douleur dans accouchement, C, senti fait mal, D, pied fait mal. Qui sa bon Dieu te bay Eve comme punition? Jouet pour vous. Temps fini, qui punition bon Dieu te bay Eve? Réponse à ce petit B, douleur dans accouchement. Référence biblique Genèse 3 verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors les Eve te fin désobéi, li tande voix Satan, li manger fouya, bon Dieu te dit pas manger, pas toucher, et qui ça bon Dieu te, qui ça qui vient arriver, bon Dieu te bal ça comme punition. Les la pas couché, la grand pile douleur, et jusqu'à présent les mesdames yo pas couché en pile douleur, en pile douleur. Monsieur qui gen petit yo, nous konn ça m'a parlé. N'a pas avancé avec yon l'autre question, c'est sixième question, toujours 10 points toujours. Qui disciple Jésus qui te dit pourquoi Jésus ressuscité vrai fois qu'il touche il? Premièrement c'est Judas, B c'est Thomas, C c'est Jean, D c'est Pierre. Qui est-ce dans yo? A Judas, B Thomas, C Jean, D Pierre. Qui est-ce dans yo? Jouet pour vous. Temps fini, réponse lancée, petit B Thomas. Référence biblique, c'est Jean 20, verset 24-25. Thomas appelé Didim, l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les versets 25, les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas et ma main dans son côté, je ne croirai point. Alors Thomas et moun folte ouais pour quoi? Et ou que ça ou même? Faut ouais pour quoi ou bien ou ap quoi son pas ouais? N'a pas avancé avec septième question, toujours 10 points. Qui l'a Jésus te gagné, l'elle te mouri et l'elle te ressuscité? A 18 ans, B 27 ans, C 33 ans, D 40 ans. Qui l'a Jésus te gagné, l'elle te mouri et l'elle te ressuscité? Ressuscité, jouet pour vous, créole la bon problème à français là. Temps fini, réponse ça c'est petit C. Jésus te dit 33 ans. Référence de Luc. Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Alors, n'a plus dit toute histoire, nous connaît, la Bible dit nous, Jésus t'est passé 3 à 3 ans et demi dans le ministère, puisqu'il t'est commencé à 30 ans, il t'est mouru à 33 ans. Jésus t'est venu sous la terre, il t'est passant pile temps à évangéliser et lui monter là, préparer une place pour nous, nous espérer ou mettre au prêt pour les Jésus retourner pour qu'à bénéficier place là, le préparer pour nous. Comme moi, dégage au nom de Jésus, pas oublier, mettez un commentaire.
pose chaque question yo, répond en bas commentaire là, dis-nous combien participer ensemble avec nous, encourager jeu à partager avec yo l'autre ami pour plus monde capable jouer apprendre la Bible. N'a avancé avec 8e question, question petit Jean plus difficile. 10 points toujours. Qui prophète qui te gain pour mission pour l'almodi peuple Israël là, mais c'est béni, l'ité béni peuple là. Et A, Élisée, Miché, Samuel, Balaam, qui est-ce là? Monsieur Sayo, ça t'est arrivé. Jouette pour vous. Temps fini, réponse lancée. Réponse lancée, petit. De Balaam, c'est lui-même, de référence biblique, Nombre 23, verset 8, rivé dans 11. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je vois, nous espérer Wali, Nombre 23, verset 8 à 11 ans pour Balaam. Comment regarder, bon Dieu fait tout ça qui dépend de lui pour dire Balaam, campé, même bourri que Balaam te parlé et Balaam te insisté, les Balaam rivé, ça te pensé, ça te souhaité faire, c'est pas lui, lui te fait. N'a avancé avec une autre question, avant-dernière question, 9e question, toujours 10 points. Qui est-ce dans la Bible là, yo te vend pour 20 pièces d'argent? 20 pièces. A, Joseph, B, Jésus, C, Jida, D, Jacques. Qui est-ce dans yo te vend pour 20 pièces d'argent? C'est quand on a dit 20 cob dans le langage pas nous. Hein? Jouette pour où? Fini, réponse là, c'est petit A, Joseph, référence biblique, Genèse 37, verset 28, au passage des marchands et Madianite, ils tirèrent et ils firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amener en Égypte. Donc on y soit déjà Joseph t'est décidé à des papa Joseph t'est remis en pile frère yo t'est raïl ça qu'on rivé frère au qu'on raïo à l'histoire belle histoire. N'a pas avancé avec dernière question, 10e question, c'est 10 points qui apôtre yo t'est metté dans prison nan yon zile yo t'est relé zile Patmos. A, c'est Paul et B, c'est Jean, c'est Pierre, D, c'est Jacques. Qui est-ce dans monde ça yo ça t'est arrivé? Jouette pour où? Temps fini, réponse là, c'est petit B. Jean, c'est lui-même ça qui est arrivé, Apocalypse 1er verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est Jean, ça a été arrivé. Nous espérons, ou t'es joué ensemble avec nous, ou t'es participé, pas oublier, dis-nous dans les commentaires combien de points vous faites et puis partagez jouette là, partagez jouette pour plus de monde capable d'étudier la Bible ensemble avec nous. Nous bon rendez-vous pour samedi prochain. Que bon Dieu bénisse. Ciao, 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 ciao. À sabbat prochain.